Bonne année à tous mes projecteurs, également à tous ceux qui me suivent dans tout le monde entier et que Dieu vous bénisse. Je partage cette vidéo avec vous et cette vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. J'ai vu ça depuis, je n'ai pas parlé. Aujourd'hui, je partage cette vidéo parce qu'un ami vient d'être arnaqué. Un ami vient de m'appeler que gars, je suis tombé sur une vidéo et je constate que le maillot que j'ai sur moi, c'est le faux maillot dont on parle et que je viens d'acheter à 30 000. Je crois que c'est le faux maillot là ici aussi. Hein? Donc c'est que les gars là m'ont aussi eu. Écoutez un peu l'extrait, je vous prends après. Ok. Ça c'est un faux maillot. Comment c'est? Parce que ce n'est pas celui-là. Le vrai maillot, c'est celui que bon, je porte. Comment différencier? Parce que j'adore quoi? C'est le design. Ceci, c'est un faux maillot. Ce sont des faux ici. Ah, ils ont carrément changé le schéma. Vous voyez le schéma de ceci? Ce sont des faux maillots. Oui, mais est-ce que les gens n'ont pas? Ils ont mis le Cameroun à... Ils ont mis le lion et le Cameroun à... Écoutez, ils inversent parce qu'à droite, à gauche, ce n'est pas ça. Évidemment, vous voyez qu'ils ont fait des petites erreurs techniques. Et ils ont déjà mis des étoiles. Et puis ici, là, non. Parce que le vrai maillot, ici, n'a pas ceci. Regardez le mien. Voilà. Le vrai maillot n'a pas ceci. Alors, pour commencer, pour que la répression soit vraiment maintenue, la première des choses, c'est que je vais le faire en direct. Vous allez m'aider. Oh non, mais c'est un faux maillot. C'est un faux maillot. Voilà. C'est un faux maillot, il faut le détruire. Évidemment, il faut le détruire. Ça se découvre. Voilà. Parce que c'est faux. Parce que j'avais une petite question. Est-ce qu'il faut seulement acheter dans les boutiques et dire pour se rassurer que... Oui. C'est peut-être ça. C'est exclusivement les maillots authentiques et originaux. Est-ce qu'il n'y a pas de revendeur? Est-ce qu'il n'y a pas de revendeur? Alors, la possibilité que nous donnons à nos frères et sœurs, c'est que si vous voulez vendre les maillots, nous faisons des prix spéciaux pour les grossistes à partir d'un certain nombre. Venez acheter et vous aurez la possibilité de revendre, évidemment, parce que nous faisons des prix pour les grossistes à partir de 100 maillots, 200, 300, 500. Si vous en commandez 1000, on vous fera le prix et pour que le maximum de Camerounais puisse avoir. Mais il n'est pas simplement celui-là. Celui-là, il m'énerve plus. Est-ce que finalement, le problème n'est pas ce prix? Le petit Camerounais qui a soutien, qu'est-ce que vous pensez? Parce que la répression, on va les brûler. Vous devez aussi revoir un peu les prix, peut-être. Donc, je disais, au niveau du prix, le petit Camerounais qui a son petit moyen et qui est aussi passionné. Bon, je rejoins la commission. Hein. Voilà. Alors, je voudrais vous donner une exclusivité pour sortir. C'est que nous avons au Cameroun, en tout cas, la maison Edimo Design a le plus bas prix des maillots en Afrique. Je ne vous dis pas le maillot de la Côte d'Ivoire, il coûte deux fois, trois fois plus cher que ce que nous faisons. Les prix ne vont pas bouger. 20 000 francs CFA de maillots authentiques améliorés dès samedi 10h. Les lions méritent. Je pense que les lions méritent cet honneur-là. Oui. Et puis, n'allons pas en Côte d'Ivoire, aller souiller le Cameroun avec des faux maillots. Ce serait pas joli. Voilà. Merci Pascal Pierre. Bien sûr. Il faut le déchirer. Il est vraiment concentré sur Les gars disent que j'ai le faux maillot, il faut que moi me déchire ça. Vous allez seulement m'attraper en route et me taper en déchirer ça. Si vous dites à combien acheter mon maillot, Seigneur, ça me fait pitié. On vient de frapper aussi mon combi. 30 000 avec ça. Moi-même, quand j'ai acheté ça, non, je savais que c'était le bon maillot. C'est qu'il tombe sur la vidéo, s'il voit ça, il constate que c'est l'huile que j'ai achetée. Les Camerounais vous informent. Et la faute aussi, c'est, je ne sais pas où c'est la FECA foot, où c'est les vents, où sont les qui, les organisateurs, où on les appelle les qui, où sont ceux qui sont chargés de mettre ces maillots sur le marché. Quand le maillot s'est sorti, les amis, je suis allé avec 35 000. Dans un supermarché de la place, parce qu'à l'époque là, n'importe qui ne vendait pas ça. 35 000, on m'a dit que c'est 45 000. Le jour là, il n'avait que 35 000. Il voulait faire une vidéo avec le maillot vert, rouge, jaune. One All Sport ce jour là. J'ai tout fait, il n'avait que 35 000. Les gars, on m'a arrêté, je suis sorti avec mon frère. J'ai empoché les bêtises. Ça, c'était pendant la Coupe du Monde. Aujourd'hui, dans la même vidéo aussi, le gars dit que les maillots aussi coûtent 20 000. 20 000. Pourquoi quand vous avez sorti les maillots au départ, vous n'avez pas mis ça à 20 000 pour que tous les Camerounais achètent aussi? C'est quand ça a crié. Vous avez vu que non, il fallait baisser le prix. On a crié ici. Même nous, les influences, on a parlé que baisser. C'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Le maillot à 60 000. Les Ivoiriens crient que mais on va entrer au stade. Les temps sont durs. Il n'y a pas l'argent, il y a la galère. Mais les gars disent que on ne vous gère pas.
Et quand ça va cuire, quand la canne va passer, vous allez aussi baisser vos maillots là où ça va. Même peut-être à 15 ans. Oh, ça, c'est le meilleur moment de vendre bien les maillots là. Vend moins cher, vend beaucoup. Et vend moins cher, vend beaucoup. C'est pour ça qu'il y a une tribu là qui a compris ça. Vend moins cher, vend beaucoup. Si elle parle de cette tribu, on va dire que oh, le tribalisme, non, mieux, il ne parle pas. Vend moins cher, vend beaucoup. Et vend cher, vend peu et gagne moins. Vend moins cher, vend beaucoup et gagne plus. Voilà donc les retombées. Donc j'ai présenté cette vidéo aujourd'hui, les amis, pour que vous confirmez. Ne tombez pas dans leur modèle comme nous. Donc quand toi tu peux acheter, sache que c'est le faux maillot. Je ne sais pas combien on vend ça. On nous a dit que le bon maillot coûte maintenant 20 000. Donc, vous avez compris. Ne tombez pas sur les pièges comme nous. En ce qui concerne Rigo, depuis quelques jours, je vois comment les Camerounais veulent seulement ta peau. J'ai dit cette fois-ci que je ne parle pas moi, papa. Parce que je ne vois pas moi le jour que tu vas faire un truc qu'on va apprécier. Même si tu fais n'importe quoi, les Camerounais vont toujours critiquer. Hein? Quand tu avais d'abord fait ta première sélection, on a dit, oh, il faut appeler les choupos, il faut appeler ceci, il faut appeler. Tu les as appelés. Il y avait toujours la critique. Pourquoi on a une vieille équipe? Pourquoi ne pas renouveler l'équipe? Pourquoi ne pas prendre les jeunes aussi pour qu'ils démontrent leur savoir-faire? Tu as appelé les jeunes cette fois-ci. Tu as même dit dans ton discours, tu as préféré continuer avec ceux que tu avais commencé avec depuis. Jusqu'à là, il y a toujours la critique. Mon frère, c'est comme ça le 237. Même, je vous ai dit que même si c'est Jésus qui vient au Cameroun pour gouverner le pays, si on va trouver que Jésus, pardon, c'est vrai que tu es 5, mais tu n'as pas le niveau. 237, non, man, il faut avoir les côtes. C'est un pays vraiment. Tu montes, on critique. Tu descends, on critique. Nous sommes en 2024. J'espère quand même que le comportement va un peu changer. J'espère. Sur ce, bonne année encore et bonne fête. Je sais que même les enfants de 3 ans, 5 ans aujourd'hui sont déjà noyés dans l'alcool. Buvez avec modération. Ok. Elle est enfin arrivée, la période des fêtes de fin d'année. Avec ses nombreux cadeaux, sa bonne ambiance et surtout ses repas festifs. Tu vis dans la diaspora et tu souhaites que tes proches au Cameroun passent de bons moments en famille, autour des repas de Noël et de Nouvel An. Grâce au site Easy Market, achète des denrées alimentaires pour tes proches restés au Cameroun et nous les livrons en 24 heures. Pas besoin d'envoyer de l'argent qui sera peut-être utilisé pour autre chose. Rends-toi sur www.easy-market.net et permets à ta famille au Cameroun de passer de belles fêtes de fin d'année. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.